Ouais, les gens, c'est Slaco, sur des petites vidéos, voilà. Donc, je suis vraiment fatigué. Aujourd'hui, j'ai fait énormément de vélo, voilà. Si ma voix est un peu bizarre. Donc, je vous préviens tout de suite en avance. Donc, il y aura des petits bruits parce que mon écran est cassé. Et comme il est cassé, bah, du coup, regardez, dès que je passe ma main, ça fait un peu de bruit. Donc, comme vous aurez pu le deviner dans le titre, c'est le deviner. Oh là là. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous apprendre à mettre le bouton s'abonner, donc pas à droite de la vidéo, mais par exemple en fin de vidéo. Donc je vais vous montrer tout de suite un exemple. Voilà, on va aller ici, on va aller dans chaîne. Donc je voulais énormément vous remercier pour les 135 abonnés, voilà, ça fait énormément plaisir. C'était tout ce que j'avais à dire, et puis voilà. Qu'est-ce que c'est un écran de fin de d'annotation? Oui, j'ai liké, désolé, je l'enlève. Mais de toute façon, dans tous les cas, je vais le remettre parce que de toute façon, ça sert pas à grand-chose. Hein. Enfin, je vais le dire comme ça, je m'en fous. Je le mets directement. Ça me gêne pas trop. Donc, déjà, on va le mettre en. Parce que 1080p, moi, ça me fait 1000. C'est 480p. Je vais vous montrer, on va aller à la fin. Donc on va monter un peu le son. Parce que là, il n'y a pas de son. Voilà, c'est ça les écrans de fin d'annotation. Quand il y a la chaîne et le logo. Donc ça, on va fermer tout de suite. Alors, pour ce faire, il va vous falloir la connexion Internet, bien sûr, et Google. Donc, pourquoi Google? Parce que tout simplement, on va aller sur Google version, enfin, sur YouTube version ordinateur. Donc, vous voyez, je vous avais dit, j'ai du mal à parler. J'ai fait énormément de sport aujourd'hui. Vous allez sur Google. On attend que ça s'ouvre. Bon, moi personnellement, ça m'envoie directement sur YouTube. Mais ce que je vais faire, je vais ouvrir une nouvelle page. Voilà, donc vous allez tomber sur ça. Vous allez taper tout simplement youtube.com. Vous n'allez pas sélectionner les liens. Vous allez taper youtube.com. Sim, d'accord. .com. Hop. Vous faites entrer, vous allez tomber sur ça. Vous allez dans les trois petits points et vous allez cliquer sur voir version ordinateur, ce qui va vous emmener sur la version ordinateur. Donc une fois que cela sera fait, comme on a la nouvelle mise à jour YouTube, ça va être assez compliqué, mais bon, après moi je l'ai déjà fait, je connais par cœur. Donc vous allez monter en haut à droite et maintenant bah ils ont enfin réglé le problème que quand on clique et bah ça fonctionne pas. Vous allez ouvrir et faire ma chaîne. Attends. Voilà, donc ensuite vous allez aller ici et vous allez faire. Bon, d'accord. Il veut pas m'écouter. Il est pas gentil avec moi. Putain. Vous allez dans Creator Studio. Voilà, donc on va y aller. Juste que là, ça rame un peu parce que je l'ai fait immédiatement en fait. Une fois que le téléphone est allumé, vous allez. Une fois que le téléphone est allumé. Une fois que le Creator Studio est allumé, vous allez zoomer. Donc là, il y a un petit bruit, désolé, c'est mon ongle qui a couché. Là, on a MDT Amiga. Ce qu'on va faire, on va le faire sur comment avoir des polices d'écriture personnalisées. Sur Pixel Lab, et ben on va le faire dessus. Donc vous allez faire modifier. Ensuite, vous allez donc aller sur écran, fin et annotation. Ensuite, vous allez lancer la vidéo. Et vous allez la rediriger vers la fin. On va la mettre un peu
par ici et on va lancer. Bref, donc l'application, donc le lien. Donc je vais juste monter un peu le son pour voir si on est où. Sur Play Store. C'est Pixel Lab, voilà. J'ai fait une vidéo comment faire un texte 3D avec. Normalement, c'est fait. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, ça mange. Voilà, donc on avait ces sons parce que voilà, je sais c'est dérangeant, mais on est obligé de le faire parce que sinon c'est la galère. Donc hop, on revient pour faire un écran assez propre. Donc alors, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous bloquez la vidéo et vous allez faire ajouter un élément. Ensuite, vous allez décaler un peu, vous allez faire vidéo ou playlist. Créer. Dernière vidéo, ou faites comme vous voulez, je m'en fous, moi, perso. Voilà. Donc, alors, moi, je vais le mettre ici, parce que de toute façon, j'avais besoin de le faire. Donc, je vais un peu zoomer, parce que t'as une ligne, en fait, si tu veux, il y a une ligne bleue, voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, vous allez faire ajouter un élément. Ok, d'accord. Ajouter un élément et s'abonner. Ensuite, vous allez avoir le petit bouton qui va s'afficher. Ah ouais, d'accord, j'ai tout décalé, moi, je me suis pas fait chier. Du coup... Putain. Non, mais ça me fait chier parce qu'il veut pas se mettre au milieu, en fait. Bon, je pense que là il est au milieu. Bon, j'arrangerai ça plus tard au cas où ça s'est mal mis. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement cliquer sur enregistrer. Voilà, tout simplement. Et une fois que vous aurez cliqué sur enregistrer, toutes les modifications ont été modifiées. En fait, j'ai parlé, mais trop vite en fait. J'ai dit, quand vous aurez fini d'enregistrer... Putain, j'ai dit quoi? Bref, on s'en fout, on va... Donc vous pouvez fermer ça, hein, vous inquiétez pas. Donc vous allez sur YouTube, ensuite... C'est pareil hein, pour les PC, hein, je vous le dis ça direct, je vous dis ça directement. Donc du coup ensuite je vais aller dans ma chaîne, je vais aller dans vidéo. Et on va aller dans comment avoir des polices d'écriture. Voilà donc ouais voilà parce que j'avais coupé un peu la vidéo parce que mon frère était rentré. Bref, donc c'est parti, on relance la vidéo, on reprend là où on était. J'espère que vous entendez. Donc alors, on va à la fin. On va mettre 480 ça va faire très cool. Normalement, c'est fait. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce. Voilà, donc. Hop, et voilà. Donc après, vous avez le logo et... truc qui s'affiche tranquillement si vous cliquez dessus, s'abonner et ici ça vous redirige sur la vidéo. Voilà donc en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah lâche un gros pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça fait extrêmement plaisir de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sont dans la description. Et puis bah moi je te dis ciao, à la prochaine, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Bref. Ciao.